Hey, salut à toutes et à tous, ici The Tribal Raider, vous m'appelez Tribal, et bienvenue dans l'épisode 20, et oui déjà l'épisode 20 sur Immortal Phoenix Rising, le DLC Nouveau Dieu. Et on va aller finir la troisième épreuve d'Athéna, pour après, je pense, avoir accès à l'épreuve de sa bénédiction. Initiation à la stratégie. Et il y a encore le coffre. Et je vois le truc là-bas. Et voilà. Ok. Quoi? Ah non. Ah non. On en avait fini avec Hephaïstus. Très bien, Phoenix. Rappelle-toi ce que je t'ai appris. Et ce que tu m'as enseigné. Tu peux y arriver. Oui. Oula, attends deux secondes là, oula là. Ouais, donc je dois mettre les deux ici. Alright. Comment je vais faire, j'en sais rien. C'est bien ce que je me disais. Ça peut le faire en vrai. En vrai, ça peut le faire. Hein. Ah. Ah oui, c'est ça. Ok, d'accord. Seulement, tu pouvais viser droit avec le jeu, ça serait pas mal. Mais ça, à mon avis, je pense que c'est un peu trop demandé. Et alors. Peut-être falloir viser. Voilà. Ok, d'accord. Non, mais je pensais que je pouvais pas le faire comme ça. Je. Brain fart. Ah, peut-être que ça marchait là aussi, non? Attends.
Ah, c'est comme ça, on teste des trucs, hein. Alors... D'accord, et donc il l'active maintenant ici. En fait, c'était super simple. Mais j'avais envie de savoir comment ça fonctionnait. Je pense que je vous passerai en avance rapide certaines choses. Attends, faut juste pas se planter. La tendance à viser de travers quand même, hein. Ouh là là. J'ai bien fait de mettre les ailes, hein. Oh, misère. D'accord. Va falloir mettre un truc ici, du coup. Je pense que ça va être la boule en ferraille. Alright. Est-ce que j'aurais pas la peine de mettre les trucs de... Je dirais pas. Ça tease le goose push. Alors. Je l'ai touché pourtant. Non, ça veut pas. Ça ne veut pas. Là, ça veut pas. Est-ce que tu peux viser mieux, s'il te plaît? C'est le truc qui est super dur à faire et que vous nous avez fait faire de la merde. Ça. Alors, est-ce que ça a marché? Ladies and gentlemen! Yes. Ah non, ça le repousse! D'accord, mais suis-je bête en plus? Donc on est obligé de le balancer là. Et donc lui de le foutre là-bas. Même si j'aurais bien aimé pouvoir activer le truc là-bas. Mais bon, on va voir si déjà ça passe, je pense pas. Même si. Et non. Ok. Ça m'a l'air un peu plus loin. Peut-être une amie bien loin. Thank you.
On va quand même le mettre au milieu, voilà. Comme prêt. On essaie de rester bien droit. Très joli. Ah bah voilà. Alors. Je peux aller la récupérer là-haut. Il y a un autre truc là-bas. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bim! Normalement, ça va rester là. Hey! Wait a second! D'accord. Hein? Hein? Fil d'Ariane. Ouh. Ariane, immortelle épouse de Dionysos. Merci d'avoir veillé sur Thésée quand il a affronté le Minotaure. Mm-hmm. Les héros ont parfois besoin d'un coup de pouce. Le fil d'Ariane, ouais, qui lui a permis de retrouver son chemin. Dans le dédale de Minotaure, si je ne m'abuse. Si je dis pas de bêtises, voilà. Comment ça? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Ah bah tiens, ça va. C'est quand tu veux, hein, les ailes. Ouais. Donc, il faut que je ramène un truc ici. Ok. Comment je suis censé faire? Je ne sais pas. Est-ce que je dois pas aller récupérer la bouboule qui est là-bas? Réfléchis. Parce que là, du coup, on en a trois des bouboules. Voilà. Parce que celle-là sera envoyée là-bas. Let me see. Ouais, et à quoi ça va me servir du coup? Ok, par là. Donc pour la récupérer ici en fait. Pour avoir du coup un autre truc là. Alright. Bon. Donc du coup là c'est pareil, je dois la faire bim bam boum et après elle va là-bas. Ok. La bouboule. En plus ils ont mis un truc exprès pour que tu te la prennes dans le fillon.
Si ça, c'est pas dégueulasse. Hop, hop, hop. On arrête de bouger, s'il vous plaît. Ah, t'es connerie. Oh! Ok. J'ai récupéré la boule. Quoi? Quoi? Non mais hé, oh, hé. Tu te fous ma gueule? En fait, ça a rebondi sur moi. Mais what the flying fucking fufu? Viens ici. Oh mais oh. Ça va, ouais? Bon. Non mais oh. Quoi? Elle a fait disparaître la boule? Ah donc quand l'autre disparaît vraiment en fait. Non mais... En vrai, c'est pas dur, c'est juste que c'est pas spécialement très logique. Alors... D'accord, ok, donc il faut que je l'envoie plus. Très joli. Ok. Alors là, j'ai pas compris.
Il n'y a pas de honte à ne pas avoir comprendre. À ne pas avoir comprendre. À ne pas avoir compris. Je sais même plus parler français tellement je suis énervé en fait. Ah putain, je l'ai pas vu, il est là. Ok, donc faut que je l'envoie en diagonale en fait. Attendez-moi, je crois. Ok. Ah, elle est là, je l'avais même pas vue. Toi définitivement. Voilà. Yeah.
juste moi. Je me suis dit, est-ce que c'est ça le connecteur et c'est ça qui va faire en sorte que... Ouais. Ok. Non, mais là, c'est moi... Non, mais je me suis dit, attends, je l'ai... il n'y avait pas un truc pour le déconnecter, machin et tout, et finalement, si, en fait. C'est moi, c'est entièrement moi. Voilà, comme je le dis, faut assumer, bah j'assume mes conneries. Alright. Bon, bah la prochaine fois on ira parler du coup à Athéna pour avoir la bénédiction. Du coup, je vais arrêter là avant qu'elle commence à me parler. Eh bien, écoutez, certains trucs que j'ai mal fait, il y a certains trucs que les devs ont mal fait aussi. Je dois bien avouer que c'est un peu. Les torts sont partagés pour une fois. Et ça, c'est cool. C'est cool pour moi d'au moins vous dire que j'ai aussi fait un petit peu des conneries. Mais voilà ce qui va du coup finir l'épisode. Je vais devoir faire pas mal de montage parce que pour moi la vidéo dure déjà depuis 40 minutes. 40 minutes de galère, de sueur et de larmes. Tout ça parsemé de sel, bien évidemment, avec la rage du tribal. Anyway, merci à tous d'avoir suivi du coup cet épisode. N'hésitez pas à commenter celui-ci, toujours pour savoir votre ressenti. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne louper de nos aventures. En attendant, je vous fais des petits bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.